Bonjour, aujourd'hui on est dans le massif de l'Estérel pour parler d'une initiative innovante. Le sujet du jour, ce sont les déchets de bord de route. C'est un problème considérable qui représente des volumes monstrueux. On est essentiellement sur des déchets alimentaires et un impact potentiel sur le milieu marin. On va voir une solution innovante pour lutter contre cette pollution. Tout est parti de cette problématique de déchets de bord de route, un sujet orphelin, qui, pour être résolu, a demandé à rassembler différents acteurs publics, privés et associatifs autour de la table pour que chacun puisse contribuer à la résolution de ce problème. Différentes solutions ont été réfléchies et imaginées pour répondre à cette problématique et l'une d'entre elles a été retenue, expérimenter et lancer une aire d'autoroute zéro déchet. Pour chacun des projets que nous montons avec Marseille Solutions, la première étape est d'identifier le porteur de projet légitime qui va pouvoir accompagner le projet sur le long terme. Ici, c'est Leclerc qui était identifié au moment du renouvellement de concession de l'aire d'autoroute et donc du coup des changements allaient pouvoir être mis en place. La deuxième étape a été, avec les différents partenaires, d'identifier les différents gisements de déchets. La troisième a été de se dire, ok, nous avons identifié ces gisements de déchets, comment on les caractérise? Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du verre? Est-ce que c'est du déchet alimentaire? Sur chacun des projets également, on met en place un panorama d'experts qui vont avoir une proposition, une valeur ajoutée sur la problématique pour pouvoir la résoudre. Donc là, on a fait appel à des experts de l'économie circulaire, de la réduction des déchets, de la revalorisation des déchets, etc. etc. Ce qui nous a permis d'avoir une liste de solutions et de lancer un premier plan d'action avec différentes solutions et expérimentations à mettre en place sur l'aire d'autoroute. Très rapidement, il est venu aussi la question de comment on va mesurer l'impact que ces alternatives et ces nouvelles solutions vont avoir sur l'usager et sur l'environnement. Donc il y a toute une mesure d'impact qui a été réfléchie et mise en place pour avoir un avant-après la mise en place de ces alternatives. L'ensemble du projet a pu être documenté dans une optique de réplication. Chacune des actions qui ont pu être mises en place a été listée. Chacune des actions qui n'ont pas encore été mises en place a également pu être listée. L'idée de ce projet était de pouvoir rendre accessible tout le contenu et toutes les réflexions qui avaient pu avoir lieu pour pouvoir mettre en place des actions comme celle-ci dans des lieux qui ressemblent à des aires d'autoroute, comme des gares, des aéroports, tous ces lieux en fait où il va y avoir du passage et où le tout jetable est préconisé aujourd'hui. Réduire à la source, c'est la façon la plus efficace de lutter contre les déchets et contre cette pollution, car le meilleur déchet est celui qui n'existe pas.